C'est Mère Teresa qui disait, ici c'est en anglais, « Si vous voulez changer le monde, rentrez dans votre famille, rentrez à la maison et aimez votre famille. » C'est tellement vrai. D'autres disent, « Le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est d'aimer votre femme ou votre mari. » Parce que c'est ce qui va leur donner le contexte le plus équilibré. Je vais laisser Joël nous introduire ce thème du couple. Et puis, après, je poursuivrai. C'est vrai que le couple, c'est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre, qui en fait couler encore aujourd'hui et qui en fera certainement couler dans les années qui viennent. Il suffit d'ouvrir un journal n'importe lequel et on va tomber sur une histoire de couple soit se forme, soit se déforme, soit se quitte, soit... Enfin voilà, c'est quelque chose qui prend énormément de place dans toutes nos sociétés. Et ça vaut la peine qu'en tant que chrétien, je crois qu'on a un mandat à relever de parler du couple. Et finalement, qu'est-ce que c'est le couple? Parce que qui a eu l'idée du couple? C'est Dieu. Le couple, c'est une idée de Dieu. Donc, si c'est une idée de Dieu, ça veut dire que c'est une idée qui est bonne. Et c'est important qu'on puisse retrouver finalement l'essence de ce qu'est le couple. Comment est-ce que Dieu a imaginé et pensé le couple? Parce que le couple, c'est une bonne idée. C'est vrai, comme Guy l'a dit, le plus beau cadeau qu'un homme et qu'une femme puissent faire, qu'un époux et une épouse puissent faire, c'est pas de couvrir matériellement les dernières choses leurs enfants, c'est pas de leur offrir la meilleure école, c'est pas de leur offrir les habits de marque. Le plus beau cadeau qu'un couple puisse faire, c'est de s'aimer et de prendre du temps ensemble et de construire son couple ensemble. Parce que c'est ce qui va lui assurer finalement un avenir déjà en présent qui est stable, où il peut s'épanouir, grandir, faire sortir le meilleur de lui-même. Et puis c'est ce qui va lui assurer aussi un avenir qui est bon et positif et stable, parce qu'il va apprendre, regarder, et puis il va pouvoir appliquer ces choses-là dans son propre couple et dans sa vie future à lui aussi. Alors souvenez-vous de ça, c'est important qu'on puisse, chaque fois qu'on prend du temps en tant que couple, qu'on investit dans notre couple, on n'est pas en train de perdre du temps et on n'est pas en train de mettre nos enfants de côté. On est en train, au contraire, de les servir et de leur offrir le plus beau des cadeaux. Quand il y a quelques années, regardé notre album photo de notre mariage avec Guy, on a été surpris parce que de nombreux couples qui étaient là en photo, eh ben ils n'étaient plus ensemble. Et puis la plupart des couples qui étaient là, c'est des couples chrétiens. Hein. On était là, oh là 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 là. Et dans notre région, à un moment donné, il y a un couple pastoral qui a décidé de se séparer, de divorcer. Et c'est comme si ça a ouvert une brèche où plein d'autres couples après se sont engouffrés dedans. Et puis il y a eu vraiment une hécatombe, on peut dire, de divorce parmi les chrétiens. Et puis ça nous a beaucoup interpellés avec mon mari. Je me souviens, on était les deux devant notre album photo. On n'est pas meilleur qu'eux. On n'est pas meilleur qu'aucun de ces couples. Seigneur, accorde-nous la grâce de rester ensemble. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit se souvenir, c'est que de former un couple et de rester en couple surtout, c'est un choix. C'est un choix, et ce choix, à des moments, il va être super facile. Il va être super difficile. On va se dire, non mais ce serait tellement plus simple si je partais. Ce serait tellement plus simple si j'abandonnais. Et je crois que dans ce choix, il y a cette importance de placer Jésus, de placer Dieu, et puis de ne pas s'isoler, mais d'aller chercher de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Et le plus grand défi
thérapeutes qui travaillent parmi les couples, ils vont vous dire ceci. Les gens viennent trop tard. Les gens viennent quand ils ont déjà décidé dans leur cœur. Les sessions de la FJE sont déjà sur YouTube. Donc, vous pouvez aller déjà revoir pratiquement toutes les sessions jusqu'à la 27, à part la 23 qui va bientôt arriver. Et puis, on va mettre tout le reste. Et je vous ai même mis une session bonus qu'on a tournée quand on a fait une journée de rattrapage pour toutes les émissions qui n'ont pas fonctionné. Et puis, j'ai rajouté une session qui n'est pas dans le programme sur les enfants prodigues, quand on a des enfants qui ne suivent pas le Seigneur, comment gérer ça. Et puis, ça peut être quelque chose qui vous intéresse aussi. Si jamais vous allez sur YouTube, sur la chaîne Guy Zeller, et puis vous tapez École FJE, puis là, vous aurez toute la liste qui sera là. Il y a des moments dans notre vie de couple où on a dû se souvenir de ce choix et de se dire, c'est vrai, ça aurait été plus facile peut-être, en tout cas à très court terme, de choisir de continuer ensemble, mais de prendre cet engagement, de continuer, de poursuivre ensemble, on a dû investir du temps, on a dû investir de l'énergie, mais ça vaut la peine. Évidemment que ça vaut la peine. Et c'est vrai, je l'ai déjà dit 2-3 fois dans le cours de cette FJE, s'aimer, ça prend du temps. Et ça vaut la peine d'investir du temps. Et on aimerait ce soir que vous puissiez être puissamment encouragés pour ceux qui sont en couple. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore en couple, que vous puissiez être remplis d'espérance sur ce que le couple peut devenir. Est-ce qu'il reflète aussi du cœur de Dieu? Merci beaucoup, Joël. J'aimerais poser 3 remarques préliminaires alors qu'on aborde le sujet du couple. On va parler des fondements bibliques et puis de ce que Dieu a prévu à l'origine. Normalement, Christ est mort et ressuscité pour nous ramener dans le plan originel de Dieu. Mais on réalise que c'est important de commencer par le couple et non par les enfants. Parce que certaines personnes sont plus des mamans ou des papas que des épouses ou des maris. Et puis, tant que les enfants sont là, mais quand les enfants partent de la maison, des fois, le couple, c'est comme s'il n'y avait plus de raison d'être ensemble. Donc, c'est vraiment important qu'on place notre relation de couple avant la relation avec les enfants. Bien sûr, pour pouvoir le faire, il faut que les deux personnes dans le couple le veuillent. S'il y a une des deux personnes dans le couple qui ne veut pas construire au niveau du couple, ben l'autre peut vouloir tout ce qu'elle veut, mais on ne peut pas forcer l'autre personne à prendre du temps avec nous. On ne peut pas forcer l'autre personne à vouloir construire notre couple. Donc, on donne ce qu'on peut, on est à disposition, on ouvre, on essaye non plus de ne pas se faire trop blesser et abuser dans le cadre du couple. Et puis, on déverse notre amour sur nos enfants. Bien sûr, il faut être deux pour construire, mais dans l'ordre des choses, le couple a la priorité sur les enfants. Et vos enfants doivent le savoir. Quand vous prenez un moment en couple et que vous avez besoin de ce moment, vos enfants doivent comprendre qu'il y a des moments où ils ne doivent pas vous déranger. C'est des moments qui sont sacrés, que c'est des moments qui sont à vous, que vous avez besoin de ces moments, et puis ils doivent apprendre à les respecter. Ce n'est pas eux qui sont au centre de votre vie, c'est d'abord votre conjoint et ce que vous construisez en couple. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on aborde pastoralement la question des femmes seules. On a des mamans célibataires, soit que vous êtes tombée enceinte avant d'être mariée et puis l'homme n'a pas voulu assumer, il est parti, vous êtes retrouvée une jeune maman célibataire, ou alors vous êtes une veuve, votre mari est décédé, ou alors vous êtes une veuve spirituelle, on en parlera davantage quand on parlera des familles monoparentales tout bientôt. C'est des veuves. Les maris sont spirituellement morts. Ils sont peut-être vivants, mais spirituellement, ils ne prennent pas leur place. Et il y a différents éléments dans la famille qu'ils ne peuvent pas apporter. Alors, ces familles ont besoin de conseils pastoraux. Comment est-ce que je vis la famille dans ce contexte qui n'est pas idéal, qui n'est pas parfait, qui n'est pas ce que j'aurais voulu? Et c'est sûr qu'on ne peut pas viser l'idéal de Dieu. Il faut faire des adaptations, on est obligé de faire le deuil de certains éléments. Et puis, on a besoin de la grâce de Dieu et du soutien des frères et des sœurs. Donc, on va aborder davantage ces situations-là. Je crois que c'est dans 2 semaines où on va aborder la question des familles monoparentales. Ce soir, on va d'abord poser la réalité et la vérité du couple dans l'intention d'origine de Dieu avec des vérités de base.
Pour certains d'entre vous, ça fera peut-être mal d'entendre ça parce que vous réalisez que vous ne pouvez pas ou vous ne pouvez plus vivre ces choses dans votre contexte immédiat. Mais c'est quand même bon de réentendre ces choses parce que la vérité nous rend libres et Dieu peut malgré tout nous enseigner, nous consoler et nous parler par ces choses-là. Et puis troisièmement, je vous disais au Bénin, on m'a dit souvent « Ah mais chez nous, ce n'est pas comme ça ». Et puis je me suis remis en question. Je me suis dit, est-ce que j'enseigne la famille, le couple occidental, ou est-ce que, en fondant mes enseignements dans la parole de Dieu, c'est quelque chose qui s'adapte à toutes les cultures? Et je réalise que quand l'évangile pénètre une culture, jusqu'à un certain point, il va faire déjà quelques transformations de base. Les familles chrétiennes de Côte d'Ivoire sont déjà différentes des familles animistes d'il y a 2 siècles en arrière. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais on n'est pas encore au bout de la réforme de ce que Dieu veut faire dans la culture. On ne doit pas idéaliser nos cultures. Et des fois, on est tellement dans nos cultures qu'on devient aveugle à certaines réalités. Et puis de dire « chez nous c'est comme ça », c'est une forme de protection pour ne pas laisser le Saint-Esprit nous parler dans certains domaines. Donc faisons attention. Bien sûr, vous devez examiner tout ce qu'on vous dit, vérifier dans la parole de Dieu comme les chrétiens de Bérée. Vous retenez, vous examinez toutes choses et vous retenez ce qui est bon. C'est votre responsabilité. Mais faites attention de ne pas laisser votre culture vous mettre en boîte. J'ai mis ici, nous sommes conditionnés par nos cultures, c'est une évidence, mais on n'est pas limité par elles. Et Dieu peut nous libérer de notre culture parce qu'il veut faire de vous, non pas d'abord des Africains ou des Ivoiriens, mais des citoyens du royaume de Dieu. Et ce qu'on est appelé à vivre sur la terre, c'est d'amener la culture du ciel. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce soir ce que Dieu veut nous dire par rapport à ça. On va prendre certains textes fondateurs par rapport au couple pour essayer de revenir à l'intention originelle de Dieu sur le couple. Le premier, c'est dans Genèse 1. Genèse 1, les versets 26 et 27. C'est l'acte de création. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image. » C'est intéressant, on voit Dieu qui se consulte. On imagine les trois personnes de la Trinité. « Faisons, ils discutent ensemble. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, c'est une image de l'ennemi qui était imagé par un serpent dans la Genèse qui pourrait symboliser le fait que l'homme est appelé à prendre une autorité sur les puissances des ténèbres aussi. Mais Dieu continue en disant, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il le créa, l'homme et la femme, ou une ancienne version dit « homme et femme, il les créa ». C'est intéressant. Dieu créa l'homme à son image, et après, il a besoin de préciser que pour qu'il y ait cette image de Dieu, il y a besoin d'un homme et d'une femme. Un homme et une femme, deux créatures complémentaires, deux créatures différentes, mais qui peuvent devenir une, qui peuvent s'unir. Ça, c'est le miracle de la vie chrétienne, c'est le miracle du mariage, c'est le miracle de l'unité qu'on peut vivre dans différents domaines. Et l'image de Dieu, elle est le mieux reflétée quand plusieurs personnes deviennent une. Et le couple, c'est la meilleure image pour ça. On verra dans Genèse 2 que ce thème-là va être repris par l'apôtre. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ce verbe qui représente l'autorité. L'homme est appelé à dominer sur la création et sur les puissances spirituelles. Souvent, dans des traductions en français, le verbe « il » est au singulier, alors qu'en hébreu, le « il » c'est du pluriel. Et pour moi, c'est quelque chose qui est intéressant et important. La domination n'est pas la domination du mâle, de l'homme en tant que mâle, mais c'est cet homme à notre image, donc homme et femme, où il y a la complémentarité, la diversité unie, qui est tellement unie qu'il y a une autorité qui jaillit de l'unité. Et ça, c'est un principe spirituel. L'autorité jaillit de l'unité.
C'est une autorité pour nos couples dans la prière, quand on éduque nos enfants. C'est l'unité est à la base. Si on n'est pas uni en tant que couple, on n'aura aucune autorité, que ce soit dans la prière ou dans notre éducation. L'autorité jaillit de l'unité. On a ce verset dans Deutéronome qui dit « Si deux d'entre vous en mettent mille en fuite, non, si un d'entre vous en met mille en fuite, deux en mettront 2000. Ou bien 10 000. On voit que ce n'est pas juste proportionnel. 1, 1000, 2, ça devrait être 2000, non? 1, 1000, 2, 10 000. Il y a une autorité pour faire fuir 5 fois plus que la normale quand on est dans l'unité. C'est la même chose. Des gens ont fait des exercices avec des chevaux pour tirer des charges. Et je ne sais plus les chiffres exacts, mais en gros, c'est de cet ordre-là. Avec un cheval, ils arrivaient à tracter peut-être 500 kilos sur un char. Avec deux chevaux, ils arrivaient à tracter 2000 kilos, pas 1000. L'unité nous donne une autorité. L'unité décuple notre impact. Et quand l'homme et la femme fonctionnent ensemble comme une équipe unie, alors Dieu donne une autorité et il y a une domination. Et domination, dans la Bible, ce n'est pas un verset où c'est de la tyrannie, tu domines sur le peuple, tu lui imposes ta volonté. Non, c'est du service. Jésus est venu nous montrer ce qu'était un roi. Et Jésus s'est dévêtu et il a lavé les pieds de ses disciples. Le roi, dans la pensée biblique, c'est celui qui sert. Et c'est ce qui nous donne l'autorité. Dieu veut que l'homme et la femme exercent leur ministère sur la terre ensemble. Ensemble. Comme une équipe. C'est pas simple. C'est plus facile pour des hommes de fonctionner ensemble. C'est plus facile pour des femmes de fonctionner qu'entre elles. Mais l'homme et la femme, c'est plus difficile. C'est un peu comme un couteau et une fourchette. C'est pas les mêmes. Mais si vous voulez manger une bonne assiette, vous avez besoin d'un couteau et d'une fourchette. Autrement, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. C'est une image qui illustre. Et qu'il domine. La vraie traduction, on l'a en anglais et on l'a dans certaines traductions françaises. Le « il » est mis au pluriel. On est appelé à régner et à exercer une autorité ensemble. Le couple reflète l'image de Dieu. Le travail en équipe de la Trinité. Le couple est une équipe en partenariat. Et ça, c'est important. Le couple n'est pas d'abord une hiérarchie. Oui, l'homme est responsable devant Dieu, mais attention à ce qu'on met derrière. On va y revenir avec un autre texte. Cet autre texte, c'est Genèse 2 au verset 18. C'est un texte fondateur aussi. Vous vous souvenez que dans la Genèse, Dieu a créé d'abord Adam. Après, il a pris Adam avec lui et il a laissé Adam nommer les animaux. Ça, c'est une délégation d'autorité. Parce que Dieu avait créé les animaux, il pourrait leur donner des noms. En laissant l'homme nommer, Dieu donne une autorité. C'est la même chose dans un mariage. Quand l'homme donne son nom à la femme, à son épouse, il nomme, donc ça montre une certaine forme d'autorité. L'Éternel Dieu... Ah, je vais finir. L'homme a passé en revue tous les animaux qu'il a nommés, et puis il a remarqué qu'il n'y avait pas un qui était adapté pour être son compagnon. Moi, je dis gloire à Dieu. Pas vous? Je ne me verrais pas avec une girafe ou un singe. Encore moins avec un crocodile ou un boa. Hein? Donc, je dis merci Seigneur, parce que tu n'as pas trouvé parmi les animaux ce qui allait être mon complément. Et c'est pour ça que Dieu l'a anesthésié, il l'a endormi et il a fait une opération. Et il a pris un os de sa côte et il a créé la femme à partir de l'os de sa côte. Et on voit cette réflexion que Dieu se fait. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un principe général. L'isolement précède la chute. Quand l'ennemi veut abattre une personne, il tend à l'isoler d'abord. Pour toutes sortes de raisons. Elle se sent blessée, elle se sent rejetée, elle se sent incomprise. Donc elle s'isole. Et puis plus elle est isolée, plus elle se coupe des relations, plus l'ennemi peut l'atteindre d'une manière facilitée. La communauté, quelle que soit sa taille, nous protège. Quand on est proche, quand on est intime, quand on est dans la relation avec les autres,
on est sous une forme de protection. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, on a plusieurs versions, qui soit semblable à lui. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. En fait, c'est la traduction la plus probable. Parce que si on revient aux mots hébreux originaux, le mot pour aide est intéressant. En hébreu, le mot aide, c'est le mot ézer. Et ce mot, en général, désigne Dieu. Comme dans Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ézer, c'est l'Éternel est mon aide, l'Éternel est mon secours. Souvent, quand on lit ce verset, la femme, c'est l'aide de l'homme. Qu'est-ce qu'on voit dans notre tête? On voit l'homme qui conduit son ménage, qui fait tout ce que Dieu lui demande, puis la femme derrière, c'est un peu sa servante. Elle fait le ménage, la lessive, elle s'occupe des enfants, elle fait tout ce qu'il faut pour que l'homme puisse être libéré pour faire tout ce qu'il a à cœur de faire. Ça, c'est ce qu'on a développé dans notre tête et c'est ce que l'Église nous a encouragé. Et je ne veux pas vous jeter la pierre. Qui c'est qui vous a enseigné ça? C'est des blancs qui sont venus vous évangéliser. Ils vous ont enseigné le modèle, hein? Au début, le projet de Dieu, c'était un partenariat. Et c'est le deuxième mot qui nous le montre. Juste ce mot « ézer ». Est-ce qu'on imagine quand je dis « Dieu est mon aide »,« L'Éternel est mon aide »,« L'Éternel est mon ézer », je ne suis pas en train de parler d'un Dieu qui ferait tout, mon ménage et mes petites affaires, à mon service pour que moi je puisse faire tout ce que j'ai envie. Ce n'est pas du tout l'image d'un Dieu qui est en dessous, d'un Dieu qui est derrière moi, et puis moi qui fais les choses à ma tête. L'image c'est, Ézer, il y a l'idée d'une puissance et d'une force. C'est réaliser, je ne suis pas capable d'y arriver tout seul. Et j'ai besoin de quelqu'un qui soit puissant, qui soit fort dans certains domaines, qui soit complément, puis qui puisse venir à mon secours pour que nous puissions ensemble accomplir la mission que Dieu nous a donnée. Le couple, c'est un partenariat, c'est une équipe où l'homme a une responsabilité, mais où l'homme ne domine pas sur la femme. Ce n'est pas un maître et son esclave, un maître et sa servante. Quand j'étais à Kara, au nord du Togo, on faisait un séminaire sur la famille, puis un homme me lève la main, puis il me dit, pourquoi est-ce que ma femme ne m'appelle pas maître, comme Sarah appelait son mari Abraham, ou Seigneur? Pourquoi elle ne m'appelle pas Seigneur, comme Sarah appelait Abraham? J'ai dit, bon, il y a du travail, hein? Ça, c'est nos cultures. Aussi dans la culture traditionnelle, parfois, l'homme, c'est le Seigneur, et puis la femme, elle est juste là pour servir. Mais dans toutes les générations et dans toutes les cultures, c'est quelque chose qu'on trouve. Si vous lisez l'excellent livre de Lorraine Cunningham et David Hamilton, « Pourquoi pas les femmes ?», vous allez voir une étude historique de la vision sur les femmes à l'époque des Romains, à l'époque des Grecs, à l'époque des Juifs. Il cite plein d'auteurs qui ne sont pas des auteurs bibliques, des auteurs de l'époque, et qui montrent la culture ambiante, la vision qu'il y avait de la femme. Jésus était un révolutionnaire en donnant à la femme une autre place. Si Jésus voulait être pris au sérieux, il n'aurait pas fait que ce soit une femme qui soit témoin de sa résurrection. Parce qu'il y a des femmes qui nous ont dit que Jésus est ressuscité. Ah, c'est des femmes. On sait, les femmes, elles parlent tout le temps, tu sais. Elles inventent tellement de trucs, les femmes. Non, s'il voulait être pris au sérieux, il n'aurait pas fait ça. Jésus a pris les femmes au sérieux. Et il leur a donné une place que dans la culture de l'époque, ça n'existait pas. Donc, les femmes sont une puissance et une force que Dieu nous donne, que Dieu nous envoie, à nous les hommes, pour venir nous secourir. Parce que tout seul, on n'arrive pas à faire ce que Dieu nous demande et on a besoin d'une personne qui soit qualifiée à nos côtés, à nos côtés. Une aide qui soit son vis-à-vis. Vis-à-vis, en hébreu, c'est le mot « neged ». Ézer ke neged, c'est la traduction hébraïque. Ça veut dire une femme qui est en face, qui est à côté. Et les rabbins ont un proverbe qui est magnifique. Dieu n'a pas créé la femme à partir d'un os de la tête de l'homme pour qu'elle domine sur lui. Il ne l'a pas créée à partir d'un os de son pied pour qu'il domine sur elle. Mais il l'a prise d'un os de son côté, proche de son cœur, pour qu'elle soit à son côté, sa partenaire, son vis-à-vis.
Ça, c'est totalement contre-culturel. On est d'accord. Les hommes ne savent pas comment inviter leurs femmes à leur côté. Il y a une tendance aux hommes qui peut être double, soit de dominer sur les femmes, soit de démissionner parce que les femmes ont fort caractère et ne savent pas comment les gérer. Une tendance pour les femmes dont ma femme va parler aussi tout à l'heure. Mais le projet de Dieu, c'est en partenariat. L'homme est responsable. On le voit dans Genèse 3, Dieu vient chercher l'homme. Adam, où es-tu? Pourtant, c'est Ève qui avait mangé la pomme. Mais Adam, t'es où? Parce que c'est lui qui rendait des comptes pour son couple devant Dieu. Ensuite, Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Ils ne feront qu'un. Ça aussi, c'est un passage important. Ça nous parle d'une progression. Les choses doivent se faire dans un certain ordre pour construire son couple d'une manière saine. La première chose, c'est quitter son père et sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que je ne vais plus parler à mes parents. Non, la Bible, elle dit « honore ton père et sa mère » et ça sera valable jusqu'à ta mort. Mais il y a une différence entre honorer et être sous la tutelle. Quitter son père et sa mère, ça veut dire que ta loyauté première, elle est envers ton conjoint, pas envers tes parents. Une fois que tu es marié, tu crées un nouveau noyau familial dont tu es responsable devant Dieu. Ce n'est pas l'aïeul ou l'ancêtre qui doit te dicter ce qui doit être fait avec ta femme, comment ça doit être fait. Il peut venir te trouver, il peut te faire part de ses préoccupations, il peut te donner des conseils, mais c'est toi qui es responsable. Et les hommes qui n'ont pas vraiment quitté leur père sont des hommes qui, en général, n'arrivent pas à prendre leur place dans leur couple. Les hommes qui n'ont pas vraiment quitté leur mère sont des hommes, quand ils ont un problème, vont d'abord téléphoner à leur mère plutôt qu'en parler à leur femme. Donc, il y a un déficit d'intimité et de relation. Les femmes qui n'ont pas vraiment quitté leur père ou leur mère, c'est exactement la même chose aussi. Parce que quand on dit l'homme quittera son père et sa mère, c'est aussi valable pour les deux. Donc, pour pouvoir s'attacher, il faut d'abord quitter. Quitter réellement. C'est dans ce sens-là où quand on se marie et qu'on habite avec ses parents, c'est très malsain. C'est très malsain. Des fois, on n'a pas le choix, alors on doit faire avec, on doit se ménager des espaces où on se protège, des espaces où on peut construire notre couple, et puis quand on sent qu'un de nos parents essaye de prendre autorité sur ce qui se passe dans notre couple, on doit se démarquer. Puis c'est difficile de se démarquer par rapport à ses parents, parce qu'on a l'habitude d'honorer les plus anciens. Mais attention, il faut vraiment quitter si vous voulez vous attacher. Autrement, il va y avoir des failles. Le deuxième verbe, c'est s'attacher. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher? S'attacher, littéralement, en hébreu, ça veut dire coller, se coller l'un à l'autre. Il y a une dimension d'intimité. On ne vit pas côte à côte. En couple, ce n'est pas deux personnes qui vivent des vies en parallèle. Il y a un collage, il y a une unité, une adhésion qui est en train de se faire. Et ça, beaucoup de couples passent à côté. Principalement parce qu'on ne sait pas comment connecter émotionnellement. Donc on peut avoir des discussions superficielles, de surface, mais dès qu'on entre dans des choses plus profondes, on se tend et puis on n'arrive pas. On n'a jamais appris, on n'a jamais eu de modèle dans nos familles d'origine et on réalise qu'il y a une forme d'handicap dès que la relation vient un petit peu émotionnelle. On se protège, il y a des murailles qui se montent. Et puis, il n'y a jamais cette adhésion totale qui est là. Et il y a toujours des fissures entre nous, où l'ennemi peut s'infiltrer pour nous séparer, où il y a un manque d'unité qui nous vole notre autorité dans la prière et dans notre éducation. Donc, c'est des choses qui sont importantes. S'attacher, c'est le deuxième point. Et j'avais une belle image. Quand deux pièces de bois ont été collées l'une sur l'autre, puis à un moment donné, la colle est fichue, la colle est sèche, puis les pièces se séparent, elles tombent. On aimerait les recoller, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut d'abord les nettoyer, les poncer, s'assurer que toutes les anciennes traces de colle, de poussière soient bien enlevées, que ça soit bien lisse. Et une fois que c'est nettoyé et bien lisse, alors là, il y a de fortes chances, en remettant de la colle à bois, que ça adhère et que ça tienne pour longtemps. Mais c'est la même chose. Avant, on était collés à nos parents d'une certaine manière. Et puis quand on se détache, qu'on quitte père et mère,
pour ceux qui n'ont pas eu des parents physiques, mais qui ont eu des parents spirituels, des gens qui ont été très proches de vous pendant longtemps, de qui vous avez dépendu d'une certaine manière, quand vous vous mariez, il y a une forme de décollage qui doit se faire, qui peut être douloureux. Quand on décolle de force, bah des fois, il y a un petit bout du bois, de l'autre pièce qui s'arrache. Donc, il faut prendre le temps après de polir et de bien nettoyer si on veut pouvoir s'attacher à son mari. Et le Seigneur, le Saint-Esprit, doit faire des fois cette œuvre de nettoyage pour pouvoir nous coller l'un à l'autre. Et puis, après, devenir une seule chair. Ce n'est pas seulement les relations sexuelles. Devenir, c'est tout le processus de grandir dans l'unité et de devenir vraiment un partenariat, une équipe. On est pas seulement « je » et « tu », mais on est aussi en « nous ». Et ce « nous », il prend de plus en plus de place. Le couple, qu'on appelle aussi la personne conjugale, le « nous », prend de plus en plus de place parce qu'on prend du temps pour le soigner, pour le nourrir, pour le construire. Donc, un modèle à suivre, une progression. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre culture, ce genre de choses? Ça vient à l'encontre de certaines choses. Qu'est-ce que ça vient contrer? Qu'est-ce que ça coûte de réformer une culture? C'est ce que je réalisais au Bénin. Ce qui a changé l'Europe, c'est un mouvement au XVIe siècle qui s'appelait la Réforme. On avait du christianisme en Europe depuis 15 siècles avant ça, principalement par l'Église catholique ou orthodoxe. Mais ça n'avait jamais pleinement pénétré les structures de la société et la vie quotidienne. Ça restait principalement dans la sphère de l'Église, de la théologie. Quand il y a eu la Réforme, on a commencé à se dire « qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur le commerce ? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur les finances ? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur l'éducation ? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la politique ? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit sur la famille ?» Et là, on a commencé à amener les principes bibliques qui étaient contre-culturels à l'époque. La culture européenne, il ne faut pas imaginer qu'elle a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui. Mais à un moment donné, on a laissé l'Évangile venir percuter nos habitudes culturelles pour que notre culture reflète le ciel davantage. Bon, depuis 100 ans maintenant, en Europe, on est plutôt en train de s'éloigner de cet héritage-là. Mais moi, ce que je crois, c'est que Dieu veut faire une réforme en Afrique. Il n'y a encore jamais eu de réforme en Afrique. Il y a eu de l'évangélisation, il y a plein de gens qui sont devenus chrétiens, leur cœur est à Christ, mais leur culture, elle domine encore leur état d'esprit. Et ça donne des situations comme au Rwanda, où 90% de la population, c'était des chrétiens nés de nouveau, mais au début des années 90, qu'est-ce qui s'est passé? Leur culture les a rattrapés. Et il y a eu un des plus grands génocides de l'histoire moderne, les Tutsis contre les Hutus, plus d'un million de personnes qui sont mortes. Donc, si la culture n'est pas confrontée par l'Évangile jusque dans ses racines et dans ses petites habitudes, alors on va passer à côté d'une véritable réforme. Et on va voir l'Église qui va être très vivante, mais qui finalement n'affecte que très peu les autres domaines de la société. J'aimerais vous proposer de vous mettre en trio. Et je vais vous donner un sujet de discussion. C'est exactement sur ce qu'on est en train de partager là. On a vu des textes fondateurs, et j'aimerais vous demander de reprendre les textes ci-dessus et vous comparer ce qui a été dit avec ce qui est vécu dans votre culture. Vous comparez. Qu'est-ce qui est contre-culturel dans les choses que j'ai partagées? Et puis, au niveau du couple, on ne va pas aller dans toutes les sphères politiques ou économiques ou éducatives, mais on parle du couple ce soir. Et dans quel domaine l'Évangile a-t-il déjà transformé votre culture? Qu'est-ce qu'il y avait dans les couples ou dans les familles il y a 200 ans en arrière? Aujourd'hui, c'est clair que la Bible n'enseigne pas ça, et puis on suit la parole de Dieu, on a fait différemment. On a changé la culture. Mais qu'est-ce qu'on réalise? Quel domaine l'Évangile doit-il encore transformer notre culture? Où est-ce qu'on réalise qu'il y a encore, comment dire, des ornières ou des traditions qui sont tellement établies? Vous avez compris la question? Alors je vous laisse copier, et après je vous demanderai de vous mettre par trois, et je vais vous donner une dizaine de minutes pour réfléchir là-dessus. Et après je vais poser des questions pour que vous puissiez vous exprimer sur quelles sont les choses qui se sont déjà passées dans vos cultures, puis qu'est-ce qu'à votre avis doit encore être touché par Dieu.
C'est le genre de question qui nous force à prendre du recul. Et puis, ce n'est pas toujours facile de prendre du recul par rapport à ce qu'on a l'habitude, à ce qui nous semble normal, et puis de questionner. Et j'aimerais écouter trois personnes qui peuvent me dire certaines des réponses qui sont sorties dans vos groupes. Dans quel domaine l'Évangile a-t-il déjà transformé votre culture ? On parle du couple, hein ? En quoi les couples ont-ils changé dans vos cultures par rapport à il y a 200 ans en arrière, dans les cultures animistes ? En quoi l'Évangile a-t-il changé la façon d'être en couple ou de se marier ? Qui c'est qui aurait une indication ? Ici ? Ah, là-bas déjà, oui. L'Évangile a changé le couple dans... Voilà, merci. Dans le temps, les couples en Afrique, c'était la polygamie. Maintenant, avec l'Évangile, par la grâce de Dieu, on vit la monogamie. Et il y a eu aussi dans les méthodes de mariage, avant les méthodes, le mari, les conjoints ne se connaissaient pas. Les familles choisissaient pour la femme et pour le monsieur. Les familles s'entendaient, puis il y avait le couple. Ce n'était pas volontaire. Mais grâce à l'Évangile, les deux personnes s'aiment et ils s'unissent. C'est vrai que c'est des changements majeurs. Je vous remercie. On va voir ce qui est sorti dans d'autres. Attendez, on reviendra vers vous si personne d'autre a des idées. Je veux prendre juste une idée par personne, là. Quelqu'un d'autre qui a vu un changement dans les couples africains que l'Évangile a amené dans ces dernières décennies ou siècles par rapport aux cultures traditionnelles? Oui, avant quand le couple... Quand un homme épousait une femme, on lui faisait sa case ou sa maison, mais dans la grande cour familiale. Et ça permettait aux parents de contrôler, je peux dire le couple. Bon, ils avaient bien des raisons qu'ils avançaient, mais au jour d'aujourd'hui, l'Évangile a donné libre cours au couple de soit bâtir leur maison ailleurs et vivre et venir rendre visite aux parents. Et ça, vraiment, ça a été, c'est un changement majeur. Donc, ça suit le principe dont on parlait tout à l'heure, de quitter son père et sa mère. Est-ce que ça se fait aussi dans les villages ou est-ce que c'est surtout le cas dans les villes ? Dans les villages, c'est entré. C'est entré dans les villages. Oui. Dans les villages aussi. Parce que c'est là où la culture, elle s'attache quand même le plus longtemps. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. Encore une dernière chose ? Oui, là-bas. Moi, je pense que l'Évangile a beaucoup sécurisé le couple et puis la femme surtout. Parce que avant, dans la tradition, l'homme avait le droit de sortir avec l'infidèle, mais la femme ne pouvait pas sortir. Ah oui, c'est un peu comme la femme adultère. Si on n'a pris que la femme, mais pas l'homme. Si la femme sort, ça, il y a des amendes à payer. Oui. Mais si l'homme sort et qu'il revient même 5 ans plus tard, avec un enfant dehors, bon, il suffit de demander pardon avec des complices du pain et puis c'est terminé. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent pas. Bon, donc ça, c'est rare quoi. Ça, c'est l'Évangile. C'est rare actuellement. Donc, je pense que l'Évangile a beaucoup fait son travail par rapport à ça. Ouais. Merci beaucoup. Et ça, c'est remarquable. Parce que c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures qui ne correspondent pas à la justice de Dieu. C'est normal devant Dieu que l'homme soit autant responsable que la femme. Chut, s'il vous plaît, quand des gens parlent, essayons d'écouter. Hein. C'est normal. Et puis l'Évangile non seulement a sécurisé la femme, mais je crois que l'Évangile a redonné à l'homme une responsabilité beaucoup plus claire. Il ne peut plus faire ce genre de choses comme vous l'avez décrite, comme il le faisait avant, parce qu'il y a une responsabilité et une intégrité à avoir dans sa famille. Merci beaucoup. Maintenant, on veut prendre quelques réponses que vous avez pour la deuxième question. Dans quel domaine, à votre avis, parce que bien sûr, là, on est peut-être dans la spéculation, l'Évangile doit-il encore transformer votre culture ? Qu'est-ce que vous voyez dans les couples chrétiens, dans votre culture, même si vous avez plusieurs tribus ou arrière-plans, je parle de manière globale pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voyez où il faudrait que l'Évangile pénètre plus en profondeur ?
On va voir les mains qui se lèvent. Alors, il y a de nouveau le pasteur Kofi devant. Et puis, une là-bas, peut-être. On va prendre d'abord ceux qui n'ont pas encore parlé. Voilà, nous, nous pensons que au niveau de la mentalité, il faut que Bourville puisse encore faire une transformation. Parce que là, il y a chaque moment ces mots-là qui reviennent. Chez nous, c'est comme ça. Hein, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Donc il faut que ce travail-là puisse être fait par l'Évangile. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un enseignement qui s'appelle la transformation des cultures. Jésus est venu pour racheter nos cultures. Vous savez que toutes nos cultures ont du, mais elles ont toutes aussi du négatif. Et quand on baigne dans une culture et qu'on a connu que ça, on est souvent aveuglé par cette culture et on n'en voit pas forcément les limites. Moi, je me souviens que pour nous, les Suisses, il n'y en a point comme nous. On était les meilleurs. On était intègre, on était droit, on était juste, on savait gérer notre temps, nos finances. Je pensais vraiment, j'avais une forme d'arrogance. Puis on est parti faire une école de formation de disciples aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, tout le monde nous encourageait tout le temps. Tout le temps. À tel point, on nous disait, mais c'est super comme tu fais du piano, c'est génial comme tu conduis la louange. Ça allait même jusqu'à, c'est fantastique comme vous faites la vaisselle. Puis moi, plus on me faisait des compliments comme ça, plus je me disais, mais là, il m'énerve, hein. Il m'énerve, ça me semble tellement superficiel, tellement creux, tellement vide. Et plus je me sentais encouragé, plus je me fermais aux gens, et plus je jugeais leur culture, jusqu'à ce que le Saint-Esprit me parle et me dise, Guy, tu as un problème. Et le problème, c'est toi qui l'as. Parce que tu vis dans une culture du négativisme, où on ne relève pas les choses positives. Donc quand il y a un compliment, c'est vraiment pour les choses exceptionnelles. Alors que l'encouragement devrait être la culture du royaume de Dieu. Mais tu n'as pas connu ça. Quand il y a quelque chose de négatif, on le dit tout le temps, souvent par derrière en plus. Mais quand il y a du positif, on ne le dit pas, il ne faut pas que les gens deviennent orgueilleux. Donc tu dois apprendre de cette culture. Et je t'ai mis dans la culture américaine pour que tu reçoives de leurs points forts. Bien sûr, ils ont des points faibles ou tes points forts vont pouvoir venir les compléter. Mais des fois, c'est comme ça qu'on réalise les limites de notre culture. C'est quand on est plongé dans une autre. Et tout d'un coup, on est béni par des aspects positifs qu'on ne connaissait pas chez nous. Ou alors quand des étrangers viennent chez nous et ils se heurtent à des choses qui pour nous étaient normales, puis qui pour eux les choquent. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais ça nous donne un autre regard et ça nous aide à prendre un peu de distance, puis avoir peut-être une perspective plus globale. Dans chaque culture, Dieu a mis des choses qui vont être trouvées au royaume de Dieu. Mais en même temps, chaque culture a besoin d'une profonde réforme et d'importer la culture du ciel dans son expression locale. Bien sûr, la cuisine sera différente. Les habits seront différents, la langue sera différente, on a tous nos richesses et tout ça. Mais après, dans les habitudes, l'Évangile doit vraiment pouvoir accéder à tous les us et les coutumes pour qu'on puisse les repenser dans la pensée du royaume. Merci beaucoup pour ce partage. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Il y a encore quelques mains levées. Ah, il y en a une au fond, ouais. Je crois que là où l'Évangile doit aussi toucher au niveau de nos couples, ce sont les prises de décision. Généralement, chez nous, les hommes informent les femmes. Et de plus en plus, comme elles ont un peu de pouvoir, là, on essaie de leur consulter, mais déjà, c'était déjà arrêté. Ok, donc c'est surtout la prise de décision. Mm-hmm. Les hommes informent toujours les femmes. C'est ça. Ouais. C'est intéressant parce qu'on vient de parler de partenariat et de côte à côte plutôt que de hiérarchie, hein. Même s'il y a un aspect hiérarchique, comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble? Est-ce que ce que nous on réalise en Afrique, c'est qu'il y a une forme de handicap dans la communication, surtout quand il y a un désaccord. C'est plus facile d'avoir une hiérarchie où l'un impose une décision puis on ne discute pas, plutôt que d'être côte à côte et de discuter, de négocier et d'arriver à une décision commune. Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande du savoir-faire, on doit travailler sur ses émotions, sur comment on reçoit les choses, sur comment on les dit. C'est beaucoup plus fatigant, surtout au début. Mais petit à petit, on grandit et ça devient quelque chose de naturel. Mais le prix à payer au début, surtout quand on vient d'une culture hiérarchique, c'est plus simple de rester hiérarchique. Vraiment, ça nous demande beaucoup moins d'énergie. Mais on a vu que même dans la Trinité, Dieu se consultait. Faisons l'homme à notre image, hein. Discutons, comment on va faire? Merci. François, encore une personne. Je te laisse voir ceux qui ont la main levée sur le chemin. On a vu toutes vos mains. Je suis sûr que tout est intéressant, mais on peut prendre que trois questions par. Ok. Voilà.
Donc, nous, on a pu identifier que l'Évangile n'a pas encore touché les relations intimes dans le mariage. C'est-à-dire que jusqu'à présent, sexe continue d'être un tabou dans le couple chrétien. Le deuxième élément également, c'est la gestion des finances dans le couple. Donc, rarement, les finances sont gérées de façon concomitante dans le couple. C'est l'homme qui gère et c'est l'homme qui assure les charges de la maison et la femme, l'homme s'en occupe. Merci. On va s'arrêter là. On a eu 3 réponses. Vous remarquez que je ne fais pas de commentaires. Je ne vais pas vous dire comment il faut faire dans ces domaines-là. Mais la question qui est soulevée, c'est est-ce que l'Évangile a vraiment pénétré ces domaines? Et puis que dans la façon dont nous faisons, c'est parce que ce sont des principes que nous avons reçus de la parole de Dieu, que nous voyons Dieu appliquer de cette manière-là, et puis nous voulons importer le ciel sur la terre. Ou est-ce qu'on fait les choses juste parce que nos parents faisaient comme ça, on a toujours fait comme ça, qu'est-ce que tu veux faire autrement? Chez nous, c'est comme ça. Donc, osons questionner les habitudes culturelles. Mais soyons pas des révolutionnaires. Parce que si on veut amener du changement, ça va pas être quelque chose qui se fait à grande échelle. Tous les changements commencent de la même façon. Dieu lève des familles prophétiques. Des familles qui osent fonctionner différemment. Et puis peut-être qu'ils passent inaperçus pendant quelques années. Et puis au bout d'un certain temps, les gens voient leurs adolescents et disent « Mais c'est génial vos ados, qu'est-ce que vous avez fait avec eux ?» En fait, il y a des années de travail et de changement d'habitudes culturelles qui sont là. Et là, ils peuvent commencer à partager un peu. Et la même chose au niveau du couple, de la façon de prendre des décisions, de parler, d'aborder la sexualité. C'est des grosses questions et c'est vrai que dans l'Église, on en parle peu. L'argent aussi. Sauf quand on fait des offrandes. On va parler des défis qui sont propres à l'homme et propres à la femme. Vous vous souvenez, moi je vais faire un rappel ici, dans Genèse 3, je vous ai re-raconté l'histoire du jardin dans la session 27 sur la famille, et je vous ai expliqué qu'avant que Ève ne pêche une seule fois, Adam avait déjà pêché 4 fois. Il avait laissé le serpent entrer dans le jardin, alors que Dieu lui avait demandé de protéger, de garder son jardin, donc de construire une barrière autour. Il a laissé le serpent s'approcher de sa femme, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il a laissé le serpent parler à sa femme et tordre la parole de Dieu, alors que c'est lui qui avait reçu les consignes au départ. Et quatrièmement, il a laissé sa femme manger du fruit. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Donc, le défi principal de l'homme, dans tout ce qui concerne la famille, mais ça commence par le couple, c'est l'abdication de sa responsabilité. Même des fois, en se cachant derrière une hiérarchie, le mari est le chef de la femme, tu fais comme je demande, c'est moi qui commande. C'est une forme d'abdication de sa responsabilité parce que je n'ai pas besoin d'entretenir une intimité, je n'ai pas besoin de construire avec toi, je n'ai pas besoin de te prendre comme partenaire. C'est plus simple, c'est plus sécurisant pour moi. Et l'homme a une forme de démission, une forme d'abdication. Je vous avais aussi dit que des fois, il y a ce mythe que l'homme, c'est le ministre de l'extérieur et la femme, c'est le ministre de l'intérieur. Donc, quand l'homme qui bosse à l'extérieur pour gagner des sous, pour nourrir sa famille. Quand il rentre à la maison, c'est normal qu'il ne fasse rien du tout. Il doit se reposer. Donc il enlève ses chaussures, il met les pieds sur la table, il se met devant la télévision, pendant que sa femme, elle a peut-être aussi bossé toute la journée, mais différemment. Ce n'est pas un partenariat. C'est une répartition des rôles qui évite de discuter et de construire ensemble. Les choses sont données, c'est comme ça, et un point c'est tout. Et je crois qu'il faut que l'homme fasse très attention de ne pas se laisser prendre par cet esprit de déresponsabilisation, de démission, de passivité spirituelle, et qu'il commence son ministère et son rôle dans sa famille. Mon ministère commence à la maison. Je n'ai pas d'autorité à l'extérieur de ma maison si je ne prends pas ma place à la maison. Ça, c'est les principes bibliques qu'on a vus dans les sessions sur la famille. Et ça, c'est le piège de l'homme, c'est de fuir sa maison. C'est de mettre une séparation nette
entre sa vie privée et sa vie publique, ce qui après va le rendre différent en privé et en public. Des fois, on va dire à la femme, « Oh, ton mari, il est extraordinaire, ce qui nous rend service. » Ah ouais, ben j'aimerais bien qu'il fasse un peu à la maison. Hein. C'est fou comme il est différent en public. Pourquoi ? Parce qu'on a une culture basée sur l'apparence. On veut être vu en public. Mais quand ce qu'on montre en public n'est pas la réalité, qu'on est vraiment en privé, c'est du chiquet. Ce n'est pas la réalité. Donc, il faut qu'on laisse Dieu nous visiter. Ce n'est pas toujours facile. Moi, j'ai un ami, il est banquier en Suisse. Il part à 5h30 tous les matins au travail, il rentre souvent vers 8h le soir. Comment vous voulez qu'il soit en plus responsable de sa famille ? Alors, ils ont trouvé toutes sortes d'idées. Ils se sont fait un groupe familial WhatsApp. Ça, c'est avec les moyens qu'on a chez nous, mais vous trouverez peut-être d'autres idées ici. Quand des enfants passent par des moments difficiles à l'école, ils ont un test, tout d'un coup, surprise, qu'ils n'avaient pas répété, ils envoient juste un petit WhatsApp. « Oh, priez pour moi, il y a un test surprise. » Quand le papa a un comité dans sa banque où il doit avoir une présentation qui va avoir du poids, puis il est un peu tendu, il envoie juste un petit texto à sa famille, « Priez pour moi, il y a une situation difficile. » Quand il y a un des enfants qui se comporte mal à la maison et qui a un besoin de discipline, la maman, elle est très claire que quand papa va rentrer, il va prendre un moment avec toi, il viendra te trouver dans ta chambre et il va discuter de ça avec toi. Et s'il n'y a pas eu de changement, il va avoir une conséquence pour ta situation. Papa est responsable, papa prend sa place. Et même si papa n'est pas là, dans la tête des enfants, papa est là. Parce que papa s'intéresse, papa est connecté, et papa donne suite, il ne largue pas juste sa femme qui se débrouille avec la maison et avec les enfants. Et puis papa, quand il peut faire une surprise à sa femme, il le fait. Par exemple, si maman tout d'un coup a la chorale, puis papa il rentre à la maison, il mange avec les enfants, puis maman elle se prépare déjà à venir à 9h30, 10h le soir après la chorale, puis ah, il faudra encore que je range tout, que je fasse la vaisselle, parce que bien sûr, comme d'habitude, ils n'auront rien fait. Et papa se dit, hey, à la fin du repas, les enfants, on range tout, on fait la vaisselle, on passe la serpillière à la cuisine, ça c'est nos langages suisses, on fait une surprise à maman. Ah ouais, super. Et maman rentre, puis elle en a les larmes aux yeux de voir qu'on a pensé à elle, de voir qu'on a fait quelque chose pour elle. Ça, c'est des papas qui prennent leur place pour leur famille. C'est pas « je t'aime » quand ça les arrange avec la bouche. Petits-enfants n'aimaient pas avec la bouche et en parole seulement, mais en acte et en vérité. L'amour entre un homme et une femme, qu'est-ce que tu vas faire ? Et vous savez, les hommes, les femmes sont bâties pour répondre. Donc quand vous leur témoignez de l'amour concret, elles vont vous le renvoyer au centuple. Donc comment on peut prendre notre place ? Être beaucoup plus actif dans notre couple et dans notre famille. Ça, c'est le piège des hommes. Sortir de la passivité. Et Joël va nous parler du piège des femmes. J'aimerais commencer par vous raconter une histoire biblique qui est très connue, mais il y a un aspect souvent qu'on passe rapidement par-dessus. Vous vous souvenez quand David a décidé de ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem parce qu'il était chez les Philistins. Et puis, cette arche a été ramenée, pas de la manière biblique portée par des Lévites, mais a été ramenée tirée par des bœufs sur un char. Et puis, alors que ça devait être des grandes réjouissances et la fête, vous vous rendez compte, l'Arche de l'Alliance qui rentre à Jérusalem. Ça devait être un moment festif. Voilà qu'à un moment donné, l'Arche de l'Alliance glisse, le chariot glisse. Et là, il y a un serviteur qui s'appelle Ouza, qui en voyant cette arche glisser, il se précipite dessus pour la retenir. Il a vu un besoin, il y a répondu. Conséquence pour ce brave homme, il meurt. Puni par Dieu. Alors ça, c'est une histoire qui m'a interpellée pendant des mois et des mois. Pourquoi ? Parce que je pense que j'aurais été la première, en voyant le besoin, à sauter pour aller sauver cette arche. Vous rendez compte ? L'Arche de l'Alliance qui glisse, mais il faut faire quelque chose. Et il meurt puni
par Dieu. Il a désobéi. En méditant sur ce texte, on était dans nos premières années de couple, et puis j'ai réalisé que dans ma propre vie, j'avais une lutte, et que j'étais de loin pas la seule femme à avoir cette lutte-là. C'était de contrôler. Parce que face à la passivité de mon homme, de par mon caractère et en plus de par ma formation d'institutrice, d'enseignante, où on apprend à contrôler, quand j'ai ajouté une couche, eh bien, finalement, c'est ce que j'exerçais. Et on était coincés dans un cercle vicieux, parce que plus je contrôlais, moins mon mari pouvait prendre sa place, plus il devenait apathique, plus je le contrôlais. Voilà, c'était vraiment un cercle vicieux. On arrivait au bout d'un moment où Guy, vous l'avez vu, qui est super à l'aise publiquement, qui prêche avec aisance, qui est sûr de lui, à la maison, perdait tous ses moyens. Et était muet, j'ai envie de dire castré d'une certaine manière, par mon contrôle. Et quand on a réalisé ça, ce cheminot, Guy m'a dit, mais ça va plus. Moi, j'aime plus être à la maison, j'ai plus envie d'être à la maison. Je me sens tellement pris, j'ai l'impression que je ne sais même plus comment je m'appelle. Et puis, on a travaillé ces choses-là. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur ce texte-là et qui m'a beaucoup parlé. Parce que c'est vrai, dans notre couple, je vois les choses. Et des fois, pendant des années, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il ne voit pas? Je pose la poubelle devant le portail. Donc, pour sortir de la maison, il faut déplacer le cornet poubelle pour ouvrir le portail pour sortir. Mesdames, le message, il est clair, non? Quand je sors, je prends le cornet poubelle puis je le dépose là où il doit aller. Guy sort de la maison, il déplace le cornet poubelle et il sort. Je dis là, mais c'est pas possible. Pour moi, ça me mettait, pendant des années, ça m'a mis dans une colère noire. Je dis là, mais c'est pas possible. Puis Guy me disait, mais je ne vois pas. Pour moi, c'est pas, jusqu'à ce que je comprenne que c'était la réalité et que c'était pas de la mauvaise volonté de sa part, du tout. C'était juste un câblage qui est différent. Pour lui, il y a un obstacle sur le chemin pour sortir. Je déplace l'obstacle. Et pas réfléchir plus loin qu'il faut que j'amène cette... Voilà. C'est un exemple hein, qui nous fait bien rire là, mais on peut l'illustrer tellement de manières différentes dans notre vie. Et que moi, au lieu d'être agressive en disant « Mais enfin, t'as pensé à quoi ? Mais quand même ! Mais c'est tellement logique !» De dire « Et Guy, quand tu sors, tu peux, s'il te plaît ?» Déposer la poubelle au bon endroit. Et la réponse que j'ai dans 90% des cas, c'est volontiers. Alors bien sûr, il arrive qu'une ou deux fois, il se loupe, mais ce n'est pas grave. Ce texte-là dans Ousa m'a parlé parce que, en fait, j'ai réalisé que je pouvais penser faire le bien. Ousa, il était sûr qu'il faisait quelque chose de bien. Donc, je peux être persuadée que je fais quelque chose de bien et en fait, c'est mal. Et le contrôle, c'est un piège dans ce sens-là. Parce qu'on est sûr qu'on fait bien. Et dans l'éducation avec nos enfants, on peut aussi démontrer de ce contrôle. On peut aussi, finalement, se prendre, et c'est là où le Saint-Esprit m'a repris, pour le Saint-Esprit. Parce qu'on pense qu'on sait mieux que le Saint-Esprit comment il devrait faire, comment il devrait agir pour faire que les choses se passent dans notre foyer. Et Dieu m'a encouragé, m'a dit, Joël, apprends à laisser tomber l'arche. Alors j'ai dit, Seigneur, moi, dans cette histoire, je vois bien ce que ça veut dire, laisser tomber l'arche. Et je pense que Dieu serait intervenu. Vous pensez que Dieu aurait laissé tomber l'arche de l'Alliance? Et bien sûr que non. Quelque chose se serait placé. Donc en fait, Ousa, il s'est placé dans les plates-bandes de Jésus.
Il s'est mis à la place d'une intervention divine. C'est pour ça qu'il a été puni. Parce qu'il a fait quelque chose qu'on ne lui a jamais demandé de faire. Et ça a empêché les gens de voir sa gloire et de voir l'intervention de Dieu. J'ai dit, Seigneur, le concept de cette histoire-là, il est magnifique. Mais dans mon concret, dans ma vie quotidienne, ça veut dire quoi? Parce que moi, j'aime que les choses sont applicables dans ma vie de tous les jours. J'ai dit, alors, apprends-moi. Le Seigneur m'a dit, prie-moi et laisse tomber l'arche. J'ai dit, ok, je vais essayer. Il s'est avéré qu'à cette même période, Guy partait en voyage. J'ai dit, bon, alors, Seigneur, ça veut dire quoi? Le Seigneur m'a dit, cette fois-ci, ne lui prépare pas sa valise. Tu as le droit de répondre à ses questions, mais sinon, tu te tais. Alors, écoutez-moi bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut jamais préparer la valise de son mari. Là, j'étais dans une situation d'apprentissage. Et puis, j'ai dit, ok, mais ça a été difficile, parce que j'aurais voulu plusieurs fois lui dire, mais t'oublie pas ça, puis fais ci, puis fais ça. Finalement, j'aurais plus vite fait moi-même. Il s'avère que mon mari, il est parti en voiture aux Pays-Bas, un pays voisin, enfin, en Europe, mais il devait revenir en avion 3 jours après. Alors, il est parti sans ampoule. Bon. Il est parti sans réveil. Bon. Il est parti sans son passeport. Voilà. Le réveil, ma foi, quand ils ont vu que le prédicateur n'est pas arrivé à l'heure, ils sont venus frapper à sa porte et puis il a débarqué. Le pull, il a eu un peu froid parce que personne n'avait de pull à sa taille. Donc, ma foi, voilà. Mais le passeport, mes amis. Je reçois un téléphone, pour faire une longue histoire courte. Je reçois le téléphone le samedi matin. Joël, je suis aux Pays-Bas, je n'ai pas de passeport, donc je ne peux pas rentrer en avion. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, contacter DHL ou pour qu'il me l'envoie? Je dis, volontiers, mais tu as une adresse où envoyer le passeport? J'ai aucune idée où je suis. J'ai dit, ça va être compliqué, mon homme, là. Donc, essaye au moins de me trouver une adresse postale. Puis après, j'avais jamais travaillé avec DHL ou UPS, ou je téléphone. Mais il faut être s'inscrire avant de pouvoir envoyer quelque chose. Et puis, on était le week-end. Il fallait qu'il ait son passeport avant le dimanche soir pour pouvoir prendre l'avion lundi matin. Enfin, bref. Au terme de mon samedi soir, j'ai explosé. J'étais toute seule. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je laisse tomber cette arche. Et puis c'est qui paye les conséquences et qui paye une journée à rattraper cette bêtise alors que j'avais pensé 15 fois que c'était important de prendre le passeport. J'étais mais tellement fâchée. Seigneur est patient, il a écouté. Et tout à coup, j'ai vu la croix. C'est la seule chose que j'ai vue. Quand j'ai vu la croix, je me suis tue immédiatement. J'ai dit, ok Seigneur, message compris. Message compris. Toi, tu n'as pas seulement payé d'une journée pour mes péchés. Et moi, je râle pour une bêtise qui m'a perdu des heures. Toi, tu t'es donné pour tout mon péché et tu as donné ta vie. Ça a juste remis les choses en perspective. Et j'ai appris et continué depuis ce jour-là, et c'est ma prière encore, chaque fois, de dire, Seigneur, permets-moi de laisser tomber l'arche quand c'est nécessaire de laisser tomber. Et dis-moi que c'est important que je fasse et dis-moi que c'est important que je ne fasse pas. Et je pense qu'en tant que femme, c'est important qu'on ait cette prière-là. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas celles qui allons changer notre mari. Si on part comme ça dans notre couple, on est très mal parti. On peut par contre
crier à Dieu, de dire « Interviens, fais quelque chose !» Ça, il n'y a aucun souci, parce qu'on est des très bonnes intercesseuses, parce que généralement, on ne lâche pas le morceau. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce n'est pas nous qui allons changer notre mari. Et on ne doit pas imaginer pouvoir faire ça. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas besoin d'aide. Il est suffisant. Dieu est suffisant. Pour qui se prend-on? Et moi, j'ai appris ça. Et des fois, vous savez, il y a des gens qui disent « Ah, mais tu pourrais dire ça à ton mari, ou il pourrait améliorer ça. » Je dis « Hé, je ne suis pas sa maman. Je ne suis pas son Saint-Esprit. Je suis sa femme. Alors, je veux rester dans cette place-là. Pour être là, pour le soutenir et l'encourager. Parce que ça, c'est mon rôle. Et de lui dire, bien sûr, de lui partager ce que je ressens, de lui partager ce que je vois. Mais je n'ai pas d'attente que mon mari va changer et qu'il devrait être comme ci et comme ça. Et du coup, et j'ai aussi passé par de la prière, hein, on a prié pour moi, on a prié pour ma délivrance. Je crois que à force de nourrir cet état d'esprit du contrôle, il y a un esprit méchant qui vient en nous et qui fait qu'on contrôle, qu'il y a le contrôle qui est dans notre vie. Et j'ai été libérée de ce contrôle, ce qui a permis à Guy de prendre sa place. Et des fois, ce que je disais à Guy, moi je suis quelqu'un, vous me connaissez maintenant suffisamment d'énergique, c'est pas de le faire que j'ai besoin d'aide. Souvent, c'est pas de ces aspects-là, personnellement. Mais moi, je sens qu'autre Guy n'est plus présent spirituellement. C'est même pas physiquement, hein, il peut être là. Mais je sens que c'est moi qui porte le poids spirituel, c'est difficile à expliquer, hein, mais spirituel de la famille. Et puis, je vais gentiment, puis je lui dis, mais Guy, là, est-ce que tu peux revenir? J'ai besoin que tu reprennes ta place là, mais sans accusation. Et puis là, on arrive maintenant après 25 ans de mariage, où Guy dit, mais merci, je vais, merci de me rappeler, parce qu'il y a toujours ce terrain fragile pour lui, parce que puisque tout tourne, puisque tout se passe, eh bien, de laisser finalement aller. Et puis, Guy m'interpelle aussi en disant, fais attention, quand il y a des situations de stress, où tout à coup j'ai envie, mon premier réflexe est de nouveau de reprendre ce contrôle. Heureusement, j'ai ce privilège d'avoir des enfants et un mari très très sensible à ça, qui me disent « Hey Joël, coucou !» Puis « Ah oui, c'est vrai. » Et je ne vais pas porter plus que ce que Dieu me demande. Et vous savez, c'est pareil pour nos enfants. Des fois, on a envie de porter l'arche. Hein, et puis de faire des choses que Dieu nous demande de ne pas faire pour eux. Et c'est important qu'on laisse Dieu agir et qu'on lui laisse le champ libre pour voir des choses se passer. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Je remercie le Seigneur pour ma femme. Vraiment. Mais on a dû travailler parce qu'on est deux forts caractères. Quand il y a un faible caractère et un fort caractère, on a tendance à se mettre naturellement dans un fonctionnement un peu hiérarchique, quoi. Mais quand on a deux forts caractères, des fois, j'avais envie de prendre des versets bibliques puis de simplement les lui plaquer en disant « Hey, sois soumise. Hein. » C'est tellement plus simple, plutôt que de devoir travailler sur les choses parce qu'on est des partenaires. Et d'être responsable devant Dieu, ça, j'aimais pas tellement non plus. J'aime bien la liberté, mais la responsabilité un peu moins. Le fruit de la chute. Quand l'homme et la femme sont tombés, il y a eu des conséquences. Et il y a eu des conséquences qui ont directement affecté le couple dans son fonctionnement. Genèse 3, verset 16, voici ce que Dieu dit à la femme. « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Cet aspect de la domination du mari sur la femme, c'est un fruit de la chute. Et on sait que Jésus, à la croix, il est venu pour racheter les conséquences de la chute, que ce soit au niveau de la domination du péché, de la maladie, de toutes sortes de choses, mais aussi au niveau des
choses sont passées dans nos couples. Donc ne vivons pas encore comme si les conséquences de la chute étaient une fatalité. Jésus est mort pour que ça change. La deuxième chose, ça c'est ce que Dieu dit à l'homme, Genèse 3:17. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, en fait Dieu fait le reproche, c'est pas tellement que tu écoutes ta femme, ça c'est bien d'écouter ta femme, hein. Tu peux le faire plus même. Mais ce qui est sous-entendu ici, c'est parce que tu lui as laissé prendre le lead. Tu n'as pas pris ta place spirituelle. Tu l'as laissé te diriger. Tu lui as laissé donner l'impulsion. Tu l'as laissé prendre l'initiative et les devants. Alors la femme peut avoir des bonnes initiatives, mais si on est une équipe, on en parle. Et l'homme sait qu'il est responsable des initiatives qui sont prises. Donc, ne suivons pas, ne nous contentons pas d'écouter, même si c'est que dans notre famille, entre guillemets. J'aimerais vous demander de vous mettre deux par deux maintenant, pendant 5 minutes, et de partager brièvement, donc vous ne faites pas une biographie, mais en 2-3 phrases, quel est votre plus grand défi en tant que mari ou en tant que femme? Peut-être que c'est des choses qu'on aimerait discuter avec quelqu'un du même sexe, parce que c'est peut-être pas forcément simple d'avouer femme que sa femme, qu'on a peut-être des difficultés à prendre sa place, ou c'est peut-être difficile pour une femme de parler de sa tendance à contrôler devant un autre homme que son mari. Donc, mettez-vous avec quelqu'un du même sexe, plutôt des groupes de deux pour que ça puisse aller vite, et puis après on va continuer. Partagez brièvement et vous priez l'un pour l'autre. Si vous êtes en couple, vous pouvez le faire en couple. Oui, c'est juste. C'est l'idéal, en fait. Donc, Daniel, tu peux aller vers ton futur mari. Dans l'enseignement. Merci. Je veux brièvement parler de Éphésiens 5, qui est un des chapitres centraux sur le mariage. Et c'est vrai que c'est dans ce passage, Éphésiens 5, 22, où on a le fameux « Femmes, soyez soumises à vos maris », un des versets préférés des hommes dans la Bible. Hein. Mais souvent, et c'est en particulier quand cet homme m'a dit « Pourquoi est-ce que ma femme ne m'appelle pas Seigneur comme la femme d'Abraham ?» En fait, j'ai été conduit à lui répondre à partir d'Éphésiens 5. Et je lui ai dit, le verset avant, « Femmes, soyez soumises à vos maris », c'est « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Donc la soumission, ce n'est pas juste la femme qui se soumet à l'homme, mais il y a une soumission mutuelle en tant que frères et sœurs dans la foi. Et puis cette soumission mutuelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je reconnais la sagesse que Dieu a mis chez mon partenaire. Des fois, je suis soumis à ma femme. Parce que je reconnais que quand on partage sur une décision à prendre, en fait, elle a mieux réfléchi que moi et sa décision est plus sage que la mienne. Et je ne veux pas, juste à cause de mon orgueil, décider que c'est ma décision que je vais imposer. Je vais reconnaître que, ouais, là, dans ton raisonnement, il y a davantage de sagesse. Et je suis responsable devant Dieu. Je ne pourrais pas dire à Dieu, « Ah, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a dit que... » Non, non. Hein, je reste responsable. Mais il y a une soumission mutuelle. Et puis, surtout, trois versets plus loin, il y a le fameux Éphésiens 5, 25, la contrepartie. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Et moi, je dis toujours aux hommes qui attendent tellement de soumission de la part de leurs femmes, une fois que vous aimerez votre femme, comme Christ aime l'Église, et que vous allez vous livrer pour votre femme autant que Christ l'a fait pour l'Église, vous allez voir, votre femme, elle n'aura aucun problème de soumission. Et ça ne sera même pas un sujet de discussion dans votre famille. Parce qu'on veut la soumission, mais est-ce qu'on aime comme Christ? Non. Bien sûr que non. On veut que la femme se livre pour nous. En fait, c'est ça qu'on veut. Et puis dans les familles de pasteurs, je vais vous dire, honnêtement, c'est même encore pire parfois. Parce qu'on transforme. On dit, pasteur, aimez l'Église et livrez-vous vous-même pour elle. Puis laissez Christ s'occuper de vos femmes et de vos enfants. Qui c'est qui a fait alliance avec l'Église? C'est Christ. Avec qui vous avez fait alliance? Avec votre épouse. Donc, attention.
Qui c'est qui a dit « Je bâtirai mon église » ? C'est Christ. Mais qui c'est qui essaie de la bâtir à sa place des fois ? Ah bien sûr, Jésus nous utilise et tout ce qu'on va donner, Jésus va prendre aussi tous nos efforts, le temps qu'on investit. Mais des fois, on n'a pas de sens de mesure, comme si les choses dépendaient de nous. Et il faut qu'on puisse se consacrer à nos femmes. C'est avec nos épouses qu'on a fait une alliance. L'alliance avec l'Église, c'est Jésus qui l'a faite. Et le Seigneur nous invite à nous donner, à nous livrer pour nos épouses. C'est pour ça que quand on rentre du travail, c'est le moment où on peut vivre ça. On est peut-être fatigué, mais notre femme, elle a besoin que quelqu'un se livre pour elle. Ça, c'est difficile à entendre. Parce qu'on est en train de parler, tu es fatigué, tu as déjà fait 1 000 supplémentaires, ben fais-en 2. C'est le sermon sur la montagne. Hein. Tu as déjà donné ton manteau, ben donne aussi ta tunique maintenant quand tu arrives à la maison. Alors quand c'est dans le ministère public, on est prêt, mais quand on arrive à la maison, là, notre paresse, notre égoïsme, notre égocentrisme nous rattrape. Puis on s'attend à ce que ce soit notre femme qui fasse pour nous. Et on a inversé les choses. C'est Christ qui donne sa vie. C'est le mari qui donne sa vie. Parce que nos mariages sont des mariages prophétiques, je vais venir là-dessus après. Éphésiens 5, 33 nous donne le résumé en fait de tout ce passage d'Éphésiens 5. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et ça, c'est un des best-sellers chrétiens sur les couples dans les 15 dernières années. Qui nous disent, les femmes ont besoin d'amour pour pouvoir s'épanouir et grandir et être bien. Les hommes ont besoin de respect. Ce que les femmes peuvent donner à leur mari, c'est du respect. Vous arrêtez de le critiquer, vous allez arrêter de relever ses échecs, ses erreurs, ses défauts, les choses qu'il n'a pas faites, mais vous l'honorez, vous le respectez, vous le remerciez pour les choses qu'il a faites, même si vous en attendriez 10 fois plus. Vous commencez à le respecter. Quand un homme sent qu'on lui manque de respect, surtout à la maison, il va fuir. Il va fuir et il ne va certainement pas vous aimer comme vous aimeriez qu'il le fasse. Donc, donnez du respect, mesdames. Et messieurs, souvenez-vous que vos femmes, elles ont besoin d'être aimées. Elles ont besoin de cette sécurité que donne l'amour. L'amour rime par les langages de l'amour. Un petit cadeau de temps en temps quand vous rentrez à la maison, un bouquet de fleurs, une plaque de chocolat, un parfum. Enfin, non, pas un parfum, c'est un peu cher, hein. Le pagne, ok. Donc, un petit cadeau, ou bien un service rendu. Chut. Pour beaucoup de femmes, c'est prendre un moment de qualité avec elle, où vous lui donnez toute votre attention pendant quelques minutes. Ah, oh, ça fait tellement du bien. Ça la nourrit pour toute la journée. Mais des fois, vous êtes fatigué, puis vous n'avez plus l'espace. Ben, payez le prix. Ça vaut la peine. La femme a besoin d'un amour qui va au-delà des paroles. Chez nous, moi je viens d'une culture qui exprime très peu ses émotions. Puis on raconte l'histoire d'un paysan de ma région. C'est tellement typique. Sa femme vient vers lui après 20 ans de mariage. Puis elle lui dit, chérie, le jour où on s'est marié, tu m'as dit je t'aime, mais depuis tu ne m'as plus jamais dit. Puis son mari la regarde, puis lui dit, bah, si ça avait changé, je t'aurais averti. Je crois quelque part que ça peut aussi s'appliquer à la culture africaine. On doit apprendre pas juste à partir du principe qu'on s'aime, on est marié, on s'aime, mais traduit ton amour par des actes ou des paroles concrètes. Les femmes ont besoin d'être aimées, les hommes ont besoin d'être respectés. Et puis de Éphésiens 5, je tire aussi l'image que notre mariage et une image prophétique. Plein de fois, dans plusieurs versets, 5 fois en tout cas, le mot « comme » ou « de même », verset 22, « soumettez-vous les uns aux autres comme au Seigneur ». Ce que vous voyez dans le ciel, ce que vous voyez en Christ, vous le reproduisez au sein de votre couple. Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Donc, ce n'est pas juste être le chef avec une conception humaine du chef. Mais comment Christ, il est avec son Église? C'est ça que je dois reproduire dans mon couple. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il la nourrit, en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Donc, il y a cette image que nos couples sont un lieu de réflexion ou un reflet de ce qui se passe dans le cœur de Dieu. D'ailleurs, une des conclusions, Éphésiens 32, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il est en train de parler du mariage et il ne fait que de parler de Christ et de l'Église. Parce que le mariage, c'est un lieu prophétique, un lieu où on peut partager quelque part, faire l'expérience de ce qui se passe dans le cœur de Dieu et dans sa manière d'agir envers les hommes. C'est ce qui se passe dans les relations entre les hommes et les femmes. Moi, j'ai vécu ça une fois. Avant d'épouser Joël, j'étais tombé amoureux de quelqu'un d'autre. J'étais amoureux fou. On était sortis ensemble, on avait fréquenté pendant 3 mois. Et puis moi, je m'imaginais déjà marié, on avait le même appel, on avait à cœur les enfants, on avait le même métier, enfin, tout collait. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, au bout de 3 mois, la personne vient vers moi et dit, « Tu sais, Guy, en fait, ma relation avec Dieu va de moins en moins bien. Je crois que finalement, je ne suis pas amoureuse de toi. Je préférerais qu'on arrête. » J'ai dit, « Tu préfères qu'on arrête ?» Ben, on arrête alors. Je ne peux pas te forcer à m'aimer. Mais je me sentais trahi, je me sentais brisé, je me sentais largué comme une vieille chaussette. Et le soir, c'était mon tour d'animer la louange au groupe de jeunes. Vous croyez que j'avais envie de louer le Seigneur ? Je l'ai fait par obéissance et par fidélité. Plein de gens sont venus me dire « Ah, il y avait la présence de Dieu ce soir !» J'ai dit « Ah bon, tu trouves ?» Moi, j'étais dans mes idées noires. Tous les jours qui ont suivi, j'ai broyé du noir. Mais je me suis mis derrière mon piano et j'ai commencé à adorer Dieu, à chanter des chants, à vider mon cœur, à pleurer, à laisser sortir ma souffrance. Et au bout de 3 ou 4 jours, Dieu a parlé à mon cœur. Il m'a dit « Tu sais, Guy, la souffrance que tu es en train d'expérimenter, parce que quelqu'un ne veut plus de ton amour, tu ressens un tout petit peu de ce qu'il y a dans mon cœur de Dieu, pour tous les gens que j'aime et qui ne veulent plus de mon amour. » Je peux vous dire que ma souffrance n'a pas disparu, hein, mais tout d'un coup, elle a pris du sens. Et je peux vous dire que ce que vous vivez dans vos couples, ça vous prépare à recevoir le cœur de Dieu. On le voit très bien dans le livre d'Osée, par exemple. Osée, Dieu lui a demandé de marier une prostituée. Sa femme, elle est partie avec d'autres hommes. Certains des enfants qu'ils ont eus, elle les a eus avec d'autres hommes. Puis Dieu lui a dit, va la rechercher. Il a vécu des expériences dans sa famille qui étaient douloureuses. Mais Dieu l'a enseigné par ses expériences. Et en fait, Osée a réalisé que ce qu'il était en train de vivre, c'était une image de ce que Dieu vivait avec son peuple, qui allait se prostituer avec des idoles. Et une fois qu'il a passé par toutes ces épreuves, Dieu lui a dit maintenant, parle à mon peuple, parce que ton cœur, il est prêt. Parce que non seulement tu vas dire les bons mots, mais tu vas les partager avec un cœur qui sait de quoi il parle. Parce que tu partages mon cœur, tu partages ma souffrance, tu partages mon expérience. Le mariage et nos situations de couple, positives comme négatives, sont des lieux où Dieu partage son cœur avec nous. Donc ne voyons pas seulement notre expérience de couple comme une école de la vie, mais on préfère aller faire des choses spirituelles, quoi. C'est très spirituel. Le cœur, le couple, c'est au cœur de la spiritualité. J'aimerais maintenant parler un petit peu des différences de personnalité. Parce que ce qui rend difficile la communication dans nos couples, ce n'est pas juste notre culture ou notre expérience de vie dans notre famille, mais c'est qu'on est tous différents. Et je ne sais pas si vous connaissez le modèle DISC, c'est un modèle parmi d'autres, qui parle de différents profils de personnalité. Il y a des gens qui sont plutôt introvertis et d'autres qui sont extravertis. Il y en a qui sont plutôt orientés vers les choses à faire, les tâches, puis d'autres qui sont plutôt orientés vers les relations et les personnes. Puis s'il reste plein de choses à faire, on s'en fiche tant que j'ai eu des bons contacts avec plein de monde. Donc les gens sont très différents. Et là autour, ils ont identifié 4 profils majeurs, mais on peut être des mélanges de plusieurs. Hein. Le D, qui est le dominant, il est extraverti, il est orienté vers la tâche à accomplir, il conduit des groupes, il est influent. L'influent, alors lui, c'est l'homme de relation, c'est l'homme qui est tout le temps avec plein de monde autour de lui, l'homme qui attire plein de monde sans forcément le vouloir, hein, mais à cause de qui il est. Le stable, qui est plutôt introverti, mais on peut compter sur lui et il aime les relations plutôt de 1 à 1 qu'avec un grand groupe. Et puis, le consciencieux,
Lui, il est orienté vers les tâches. Quand vous lui confiez quelque chose à faire, vous savez que ça va être fait parfaitement, dans les moindres détails, dans le bon timing, et puis il va gérer les choses. Mais il est plutôt introverti, puis il a plutôt de la peine dans les relations avec les autres. Donc, c'est les quatre tendances qui sont là. Et ce soir, je vous propose un petit exercice pour voir quel est votre profil. Je mettrai tout ça sur la page Facebook, vous n'en faites pas. Quel est votre profil? Alors, l'étape numéro 1, dans les 5 boîtes ou tableaux ci-dessous que je vais mettre après, vous examinez les adjectifs notés et vous y placez un numéro. Vous mettez un 7 à côté de l'adjectif qui vous correspond le mieux, un 5 pour le second, un 3 pour le troisième et un 1 pour celui qui vous décrit le moins. Vous avez compris? J'aimerais pas que vous recopiez tout le tableau maintenant. Vous l'aurez dans les notes, vous l'aurez sur la page Facebook. Mais maintenant, on va se concentrer sur l'exercice lui-même. Parce que si vous prenez tout votre temps à faire de la recopie, puis vous n'arrivez pas à entrer dans l'exercice, on passe un peu à côté de quelque chose. Donc, premier tableau. Voilà 4 adjectifs. Têtu, persuasif, donc qui arrive à persuader les autres, à les convaincre. Doux, humble. Celui qui vous correspond le plus, vous mettez un 7, le deuxième en 5, le troisième en 3, le quatrième en 1. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites un choix entre ceux avec lesquels vous hésitez. Vous ne réécrivez pas tout, vous mettez simplement A, 7, B, 5, C, 3, D, 1. Ou alors A, 1, B, 7, C, 5, D, 3, en fonction de ce que vous choisissez. Donc je vous donne 30 secondes pour chaque tableau, on en a 5 comme ça. On passe au deuxième tableau. A, compétitif. Vous aimez la compétition, vous avez envie d'être le meilleur, vous avez envie de gagner quand vous faites un jeu. Vous avez envie de gagner un argument quand vous avez une idée, vous voulez convaincre les autres à cette idée. B, espiègle. Ça veut dire que vous avez toujours un mot drôle à la bouche, vous aimez plaisanter, vous aimez faire rire les autres, vous aimez faire des farces, des choses comme ça. C, serviable. Vous aimez faire en sorte que les autres aient tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils soient bien, etc. Et des obéissants. Là aussi, vous mettez 7 à celui qui vous correspond le mieux, 5 au deuxième, 3 au troisième, 1 au dernier. Si vous hésitez entre deux qui vous semblent être à peu près à la même hauteur, vous en choisissez un des deux. Ces histoires de disques, on les prend aussi pour la formation de leadership dans les entreprises, parce qu'on réalise qu'on a aussi ces différents tempéraments, on les retrouve dans tous les aspects. On les fait au niveau des ministères. Nous, on a eu une semaine d'enseignement et de travail sur notre personnalité pour comprendre comment on fonctionne, donc comment on peut mieux fonctionner en équipe en se connaissant et en comprenant les autres. Et c'est vraiment un outil qui est précieux. Là, on essaie de le faire en 15 minutes, alors qu'on a fait ça en une semaine. Donc c'est un peu ambitieux, mais l'idée c'est de vous donner une compréhension du contexte. Et si vous tapez DISC sur Google, vous allez trouver plein de sites qui vous proposent de faire des tests un peu plus complets, de vous inscrire, puis vous pouvez aller un peu plus en profondeur dans toutes ces choses. Troisième tableau, aventureux, vous aimez prendre des risques, vous lancez des entreprises, vous ne savez pas qu'est-ce que ça va donner, vous aimez pas trop les choses trop sécurisées, mais vous aimez l'aventure. Bout en train, ça veut dire c'est celui... Quand vous êtes dans un groupe, c'est vous qui faites rire tout le monde, c'est vous qui mettez l'ambiance, c'est vous qui lancez les idées folles, c'est vous que tout le monde regarde à ce que vous allez dire ou vous écoute parce que vous êtes celui un peu qui mène le bal, quoi. Modéré, ça veut dire que il y a rien qui est trop haut, il y a rien qui est trop bas. Vous êtes un homme sans excès d'un côté ni de l'autre, ou une femme. Et précis, ça veut dire que vous faites les choses de manière pointilleuse. Et les questions que vous posez souvent sont des questions de détail. Donc là aussi, 7, 5, 3, 1. 7 pour celui qui vous correspond le mieux, 1 pour celui qui vous correspond le moins. Nous passons au quatrième. Les adjectifs sont maintenant déterminés, donc décidé à aller jusqu'au bout, convaincant, la capacité de convaincre les autres, facile à vivre, vous adaptez à n'importe qui, à n'importe quoi, et prudent. Ne prenez pas trop de risques, y réfléchissez. Qu'est-ce qui vous correspond le mieux? 7. Qu'est-ce qui vous correspond le moins? 1. Et puis 5 et 3 entre 2. Et dernier tableau.
Ah, plein d'assurance. Vous savez ce que vous voulez, vous y allez. B, optimiste. Ça veut dire que vous avez une vision positive du futur. Il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. C, indulgent. Ça veut dire que vous ne prenez pas trop offense de ce que les gens peuvent faire ou dire. Vous vous pardonnez facilement à tous ceux qui sont là. Et puis, même s'ils font des choses un peu déplacées. Et D, précis. De nouveau, de 7 à 1. Une fois que vous avez fait ça, on va passer à l'étape 2. Vous allez transférer vos réponses dans le tableau ci-dessous que je vais vous montrer, puis vous faites le total des colonnes A, B, C et D. Donc, vous faites un tableau comme ceci, où vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, c'est les 5 questions, les 5 tableaux que vous avez répondu. Et dans chaque tableau, il y avait A, B, C et D. Donc, si par exemple, dans le tableau numéro 1, vous avez mis 1 point à la question A, 3 points à la question B, 7 points à la C et 5 à la D, vous notez comme ça. Puis après, pour chaque tableau, vous mettez le nombre de points pour chaque question. Et vous faites le total pour chaque lettre. Combien vous avez eu de points pour les questions A, combien vous avez eu de points pour les questions B, pour les C et pour les D. Je vous fais faire un peu des maths là. Hein. 7 À quelle lettre est-ce que vous avez le plus de points? Qui a le plus de points à A? Levez la main. D'accord, finissez, hein, laissez-moi parler, puis je regarde déjà avec ceux qui ont fini. Qui c'est qui a le plus de points à B? Qui a le plus de points à C? Qui a le plus de points à D? Ok, vous avez vu qu'il y a à peu près le même nombre de mains à chaque lettre. Et maintenant, on va voir à quoi chaque lettre se rapporte. Les A, relevez la main ceux qui ont le plus de points à A. Les A sont des dominants. Souvent, on les retrouve à la tête d'une entreprise, d'une église. Et donc, à la famille, ils ont souvent le problème de prendre la tête. Et puis, les autres doivent suivre. Si c'est une épouse, c'est un peu difficile pour le mari. Surtout si lui, c'est plutôt un C ou un S. Parce qu'il se sent totalement dominé et puis il n'arrive pas à contrer dans sa personnalité. Ce n'est pas tout simple. Les B, les influents. Levez la main, les B. Voilà. Vous aimez être en groupe, vous aimez discuter. Votre régal, c'est d'être dans une foule d'amis. Et puis, vous êtes tout le temps en train de parler avec l'un, avec l'autre. Les gens cherchent votre compagnie, cherchent votre conseil. Ils tendent l'oreille pour écouter quelle est la dernière chose que vous allez dire. Vous êtes une personne qui a de l'influence. Les S, levez la main. Pardon, les C. Les C sont les consciencieux, donc ils sont ici. Les C, levez la main, voilà. Donc vous êtes des gens qui sont excellents pour être des administrateurs, des comptables, des gens qui font des choses de détail et qui vont les faire bien. On peut compter sur vous, il y a une intégrité. Et dans la famille aussi, vous allez être quelqu'un de minutieux qui va gérer les détails. Au risque des fois de perdre la vision d'ensemble, de perdre un petit peu de fun parce que vous êtes plutôt un introverti concentré sur la tâche plutôt qu'un extraverti concentré sur les personnes. Puis des fois, c'est un petit peu ennuyeux pour les autres. Donc, il y a besoin d'équilibrer tout ça. Mais c'est un don qui est tellement précieux, tellement important. Et qui sont les D, qui sont ici les S, les stables, les D, ouais. Merci. Les D, les stables, qui aiment la relation de 1 à 1, qui sont excellents pour s'arrêter avec un enfant, discuter, en le regardant dans les yeux, en posant des questions, en confrontant, en reprenant. Ils sont excellents dans la relation de 1 à 1 et ils amènent la stabilité. Alors vous imaginez que si dans une famille on a 2 D, c'est un peu des étincelles. Nous on est 2 D, donc notre couple a fait des étincelles pendant des années. Mais on s'est trouvé. Et puis on a réalisé qu'on n'était pas des dés exactement semblables. Et on a réussi à trouver comment fonctionner ensemble de la bonne façon.
Mais quand on comprend comment on fonctionne, on réalise aussi comment on arrive à fonctionner avec d'autres. Et on réalise que chaque profil de personnalité a ses points forts, mais chaque profil de personnalité a ses points faibles. Et c'est là où je peux que vous encourager à continuer de travailler sur ces profils de personnalité pour mieux fonctionner dans votre couple. Et que vous arriviez à comprendre votre femme en disant « Ah, mais c'est pour ça que tu réagis comme ça. Moi, j'attendais que tu fonctionnes comme ça, mais je t'avais mis dans une boîte. J'avais attendu de toi que tu fonctionnes comme moi ou comme telle et telle personne. Mais je réalise maintenant quelle est la personnalité que Dieu t'a donnée. » Donc, on ne peut pas aller dans tous les détails en un quart d'heure. Je vous fais une introduction à cet aspect-là. Mais vous réalisez, dans les écoles de leadership, on a une semaine d'enseignement là-dessus pour qu'on apprenne à bien travailler en équipe. Et nos amis en Suisse qui travaillent au niveau des couples font la même chose au niveau des couples, pour que les couples apprennent à bien se connaître, comprendre comment je fonctionne et l'autre fonctionne, pour pouvoir trouver notre fonctionnement commun sans arriver dans des conflits qui sont inutiles, juste parce qu'on ne se comprend pas. Donc voilà, j'espère, quelque chose qui pourra vous aider, qui vous introduit. Et si vous êtes intéressé, faites des recherches. Je suis même sûr qu'en Côte d'Ivoire, il y a des entreprises qui travaillent avec ce genre de matériel et qui sont à disposition ici. J'aimerais encore parler de la prière dans le couple. Vous savez que la vraie intimité d'un couple, elle ne se mesure pas à la sexualité. On peut avoir des relations sexuelles avec une femme, avec un homme, même en dehors du mariage. Ça ne veut pas dire qu'on est proche au niveau du cœur. La véritable intimité, elle se mesure dans notre vie de prière. Est-ce qu'on prie ensemble? Mais avant de prier ensemble, il y a un verset qui m'a frappé, spécialement ici l'année passée, notre fondateur Dale Kaufman, il y a 2 ans, il en parlait des enseignements qu'il nous donnait. En Pierre 3, 7 nous dit « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » On voit un lien direct entre l'exaucement des prières, donc notre autorité dans la prière, et la façon dont on prend soin de sa femme. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça. Des fois, on est des gens super spirituels, on prie, mais on néglige nos femmes. On ne sait pas comment aimer nos épouses. Et là, on est sérieusement encouragé à prendre soin de nos femmes si on veut que Dieu réponde à nos prières, qu'il n'y ait aucun obstacle à nos prières. Et ça, les amis, il faut qu'on l'entende et qu'on le prenne au sérieux. Dieu ne sépare pas ce qu'on vit dans nos relations horizontales les uns avec les autres et ce qu'on vit dans notre relation verticale avec lui. On n'est pas des mystiques où le plus important, c'est le spirituel, puis Dieu, il attend qu'on prie, qu'on prie, qu'on prie. Puis à côté, on néglige ce que Dieu nous a confié, ceux avec qui on a fait alliance. Ça ne marche pas comme ça dans le royaume de Dieu. Et la prière en couple, la prière avec votre conjoint, c'est une des choses les plus importantes que vous puissiez faire. Des amis qui travaillent parmi les couples, les familles, nous ont donné ces statistiques aux États-Unis. Et ça ne me surprend pas. Et je pense que si on allait dans d'autres nations, on pourrait trouver des statistiques similaires. Je pense qu'en Afrique, on n'est pas dans des chiffres comme ça, parce que vous êtes encore protégés par une certaine tradition. Mais je pense qu'il y a une culture globale, mondiale, qui est en train de venir et qui frappe à la porte de vos enfants, et que dans les générations qui vont venir, vous allez être davantage confrontés à ce genre de choses. Parce que c'est colporté par les médias, c'est colporté par les modèles que les enfants, les jeunes voient dans les séries, dans les films, dans tout ce qui leur est proposé. Il y a aujourd'hui un divorce pour 2 mariages chez les chrétiens, autant que chez les non-chrétiens. Bon, des fois, on pourrait dire, les gens qui divorcent, après, ils se convertissent et puis ils viennent à l'église. Donc, beaucoup des divorcés qu'on a dans les églises sont des gens qui sont convertis suite à leur divorce. C'est possible. Mais en même temps, 50% de divorces parmi les chrétiens, c'est des chiffres qui sont quand même alarmants. Maintenant, si un couple est vraiment engagé dans une église, il y participe régulièrement, il a une redevabilité, c'est-à-dire que le pasteur ou d'autres personnes dans l'église ont un droit de regard sur leur vie, même sur leur vie de couple, peuvent leur poser des questions, prient avec eux régulièrement. Il n'y a plus qu'un divorce sur 7 mariages. Ça, c'est aussi remarquable.
L'Église peut être une communauté protectrice par rapport à cette vague de destruction des familles que l'ennemi a envoyée sur la terre. Mais le plus important, c'est que si un couple prie régulièrement ensemble, il n'y a plus qu'un divorce pour 1107 mariages. Et ça, ça doit nous mettre la puce à l'oreille. Vous savez, il y a une puissance quand on prie en couple. La parole de Dieu nous dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit en mon nom, moi je crois que quand deux s'accordent, il n'y a rien qui peut leur résister. Donc l'ennemi va tout faire pour empêcher les couples chrétiens de prier ensemble. Tout. Parce que c'est l'arme la plus puissante qui puisse avoir lieu. Et vous savez, il y a un combat au niveau des couples chrétiens pour la prière. Quand on a pris conscience de l'importance de la famille, on a créé un cours qui s'appelait la Parents Academy. Puis on a fait pendant une année un cours pour les parents, c'était formidable. Le dernier soir, on a dit, on va prier pour votre besoin principal. Vous venez devant, on vous impose les mains, on prie pour que Dieu fasse une percée là où c'est le plus nécessaire pour votre couple ou votre famille. On a été surpris, on a été choqués. Plus de 50% des couples qui se sont avancés, on avait 36 couples qui étaient là. Plus de 50% nous ont dit, on n'arrive pas à prier ensemble. Et vous savez, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas le temps. Ce n'est pas parce que dans l'absolu, on ne voulait pas. Mais c'était chaque fois la même chose. Un des deux, le plus souvent la femme, vient vers son mari et dit, « Chérie, c'est quand qu'on prie ensemble ? On avait dit qu'on voulait faire, puis... on pourrait le faire maintenant, qu'est-ce que t'en penses ? » Le mari répond, « Ah, mais j'aime pas quand tu me demandes comme ça, je me sens contrôlé. » Oui, mais on avait dit qu'on voulait le faire, alors dis-moi quand ça t'arrange. « Ah, je sais pas, on le fera, mais pas maintenant. » « Oui, mais alors quand ? » ?»« Ah, mais tu m'énerves. » Qu'est-ce que ça nous montre ? Ça nous montre qu'il y a des fissures, il y a des failles, il y a des crevasses, même des fois il y a des gouffres entre nous. L'unité spirituelle, quand on peut prier ensemble régulièrement, il n'y a rien de plus fort. Tu peux venir vers moi ? Le matin, vous parlez... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vous lever à 4 heures puis vous priez une heure avec votre femme. Des fois, quand je dis ce genre de choses, on est tout de suite les religieux avec nos idées de « il faut que ça prenne beaucoup de temps » parce que plus on prie, plus ça sera puissant, plus ça sera fort, plus ça sera saint. La Bible, elle dit, soyez pas comme les païens quand vous priez qui multiplient de vaines paroles en pensant qu'à force de nombre de paroles, ils seront exaucés. Vous partez au travail, vous dites, chérie, j'y vais. Je te bénis pour cette journée et puis on va juste prier pour les enfants, t'es d'accord ? Tu me donnes les mains ? Seigneur, bénis nos enfants dans cette journée, tu vois ce qu'ils vont vivre, on te demande de les encourager. Je te prie pour mon épouse, je te demande de la remplir de ton esprit, d'être avec elle dans tout ce qu'elle va vivre au nom de Jésus. Donne-lui la sagesse pour ce rendez-vous qu'elle a avec la voisine. Donne-lui de formuler les choses de la bonne façon au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Tu pries pour moi. Seigneur Jésus, merci de bénir Guy dans les défis qui sont devant lui aujourd'hui. Donne-lui la sagesse et le discernement pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et d'être dans la, non pas dans la crainte des hommes, mais dans la crainte de ton nom. Amen. Bonne journée. Vous pouvez finir votre prière par ça. Hein. C'est pas seulement le jour du mariage où vous embrassez la mariée. Hein. Donc, priez ensemble. Je rentre du travail, je la prends dans mes bras, je lui montre de l'affection. Comment ça a été ? Ah, il y a eu ça qui était difficile. Ah, ben on prie. Tout de suite, on prie. Pas, ah ouais, il faudra qu'on prie. Parce que quand on dit, il faudra qu'on prie, qu'est-ce qui se passe ? On prie pas. Donc, prions. Avec ma femme, on fixe 3 fois par semaine, on va marcher 20 minutes dans le quartier, on se donne la main, ou alors on marche côte à côte, puis on échange, on discute, on prie pour les choses, on est à jour. On a une discipline de prière en couple. Certains le font tous les jours, d'autres le font une fois par semaine. Bien sûr, ça dépend de notre emploi du temps, ça dépend de nos métiers respectifs, ça dépend du temps qu'on a. Mais ne négligez pas, et moi j'aimerais vous dire, agendez ces moments. Autrement, vous allez vous les faire voler. Si vous n'êtes pas intentionnel et que vous ne savez pas gérer votre temps, vous allez vous faire voler ces moments-là. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous priez ensemble. Parce qu'il connaît la puissance de la prière.
tant pour votre couple, dans la protection de votre couple, que dans l'impact de votre prière dans l'unité, ça, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et il va tout faire pour vous empêcher. Donc, si vous réalisez que l'ennemi a réussi à vous diviser, à mettre suffisamment d'espace pour que vous ne priez pas ensemble, parce que c'est trop inconfortable, parce que chaque fois, ça amène des tensions, c'est que l'ennemi a pu faire une faille. Et vous avez intérêt d'aller le chercher et de l'expédier en dehors du jardin et de colmater cette faille, plutôt que de laisser les choses continuer à être comme ça. Le temps n'arrange pas les choses. C'est vous qui faites une décision et qui êtes proactif. Et c'est là que les choses se changent. On a toujours du temps pour ce qui est important. Ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Même si vous êtes chef d'entreprise, que vous n'avez quasiment pas de temps, vous pouvez trouver du temps. On a du temps pour ce qui est important. Amen. Amen. Je m'arrête là. Simplement, il y a différentes choses qu'on pourrait dire encore. Je les mettrai sur la page Facebook et dans les notes. Vous l'aurez à disposition. C'est une très bonne conclusion. Notre couple a besoin de temps. Prenez du temps pour aller manger ensemble. Nous, on va une fois par mois au restaurant. Parce que si on reste à la maison, on est dérangé tout le temps. On éteint nos téléphones et on se consacre complètement à l'écoute l'un de l'autre. Puis on prie. Si vous ne prenez pas le temps, ce n'est pas l'ennemi qui va vous le donner. Hein. Et il y aura toujours plein de choses à faire. Mais vous savez, à un moment donné, vous définissez vos priorités. C'est vous qui régnez dans votre vie. Si ce n'est pas vous qui régnez, ça va être les circonstances, ça va être d'autres personnes, les attentes des gens. À un moment donné, vous posez vos limites. Non, ça c'est le moment pour mon couple. On en a besoin. Et si l'ennemi continue si on continue de se laisser voler, alors qui sait dans quelle situation fragile on va se retrouver. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es mort pour notre pleine restauration, pour notre salut, pour notre guérison, mais tu es aussi mort pour la restauration de nos couples, pour que nos couples puissent exprimer et refléter ce qu'il y a dans ton cœur et ce que tu vis avec ton Église. Seigneur, j'aimerais te prier pour un esprit de réconciliation qui nous rapproche les uns des autres, un esprit proactif qui nous aide à ne pas rester passifs, un esprit de soumission qui ne veut pas garder le contrôle, mais qui te fait pleinement confiance et qui se soumet à toi d'abord. Seigneur, nous t'invitons dans nos couples. Nous avons besoin de toi. On est tous en chemin et il n'y a pas de problème avec ça. Mais garde-nous humbles, Seigneur. Ne nous laisse pas conditionner ou freiner ou aveugler par notre culture. Que ce soit notre culture nationale ou tribale, que ce soit notre culture familiale, que ce soit notre culture ecclésiale, qui essaye de nous dire « on a toujours fait comme ça, qu'est-ce que tu veux faire autrement ?» Seigneur, révèle-nous ton cœur pour qu'on puisse te refléter. Et ramène nos couples l'un vers l'autre. Réapprends-nous à prier ensemble. Réapprends-nous à nous aimer d'une manière qui s'exprime verbalement, physiquement, avec des gestes, avec des actions concrètes. Nous avons besoin de toi. Et nous te prions pour le salut des couples en Côte d'Ivoire. Pas pour des couples qui fonctionnent bien religieusement, mais des couples qui ont une guérison holistique qui pénètre tous les aspects de leur fonctionnement. Et nous t'invitons, Saint-Esprit, à faire une œuvre en profondeur. Merci pour qui tu es, parce que tu es un Dieu concret et tu veux venir nous parler aussi dans le domaine des finances et de la sexualité, comme on disait tout à l'heure, et nous restaurer pleinement pour qu'on puisse vivre les choses d'une manière libre, complémentaire, en équipe, où les hommes prennent leur place, où les femmes prennent leur place et où toi tu prends ta place. Parce que tu nous dis que la corde à trois brins ne se rompt pas facilement. Alors, nous voulons tisser avec toi, nous voulons nouer avec toi et construire la corde de notre couple avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.